Ok. Alors, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, ce soir, on va faire une petite vidéo, ok? Voilà, parce que je l'avais dit aux joueurs de la Côte d'Ivoire, aux éléphants, que s'ils jouaient bien, et puis ils regardaient que le Seigneur Jésus, le Seigneur allait faire quelque chose pour eux. Bon, c'est pas ce qu'ils ont vraiment fait, mais avec les prières, ça a donné quelque chose. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les lois de Dieu. Ok? Voilà. Et qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok? Donc, restez toujours accrochés à notre Père, le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Et je vais même parler de notre Seigneur Jésus dans cette vidéo. Ok? Voilà. Alors, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire. On va parler un peu de la Côte d'Ivoire sur le plan spirituel. On ne va pas mettre longtemps sur cette vidéo hein, parce qu'on va parler que de la Côte d'Ivoire sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Ok? Voilà. Alors, sur le plan spirituel, est-ce que la Côte d'Ivoire est comment on appelle, a quel problème spirituel? Ok? Voilà. On va d'abord commencer par le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ok, parce que dans le drapeau de la Côte d'Ivoire, il y a l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, on va d'abord commencer par le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Alors, et puis, on va un peu l'écouter, lui, quand on va l'interviewer, ce qu'il va dire. Ok, voilà. On va écouter un peu et vous allez juste regarder en bas. Il y a le drapeau. Vous allez regarder le drapeau. De la gestion du groupe, voilà. Avec des joueurs que vous connaissez depuis un certain temps. Mais sur le plan tactique, aujourd'hui, par rapport à votre prédécesseur, aujourd'hui, sur le plan tactique, le drapeau de la Côte d'Ivoire commence par quoi? Original. Ça commence par orange, blanc et vert. Une touche originale. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez une touche originale. Alors, écoutez-le bien. Il va dire quelque chose, lui-même il ne va pas se rendre compte, mais il va dire quelque chose. Ce que je compte apporter d'abord, c'est de la confiance aux joueurs. Donc, quand vous récupérez une équipe qui a perdu 4-0 et que vous allez affronter le tenant du titre qui fait partie des plus gros favoris, vous n'allez pas chercher à inventer le football. Non, on ne va pas chercher à inventer le football, je ne vais pas chercher à inventer le football. Je vais tout simplement revenir sur les bases du football, sur les fondamentaux, je vais revenir sur le fait qu'il faut qu'on soit une équipe. Il faut qu'on défende ensemble, il faut qu'on attaque ensemble. Donc, ok. Je vais encore mettre ça. Équipe, vous allez entendre très bien ce qu'il a dit. Rien inventé du tout. Okay. Je vais faire des choses simples. Voilà. Écoutez-le très bien. Mais ce que je compte apporter d'abord, c'est de la confiance. La confiance aux joueurs. Donc, quand vous récupérez une équipe qui a perdu 4-0. Et que vous allez affronter le tenant du titre qui fait partie des plus gros favoris, vous n'allez pas chercher à inventer le football. Non, on ne va pas chercher à inventer le football. Je ne vais pas chercher à inventer le football. Je vais tout simplement revenir sur les bases du football, sur les fondamentaux. Je vais revenir sur le fait qu'il faut qu'on soit une équipe. Il faut qu'on défende ensemble. Il faut qu'on attaque ensemble. Donc on va essayer de restructurer un peu cette équipe, mais on va pas. Je vais rien inventer. Je vais rien inventer du tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, le drapeau, je vous ai dit, le drapeau de la Côte d'Ivoire seulement, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire, déjà, c'est orange, blanc, vert. Ok? Voilà. Oh là là. Ces gens qui m'envoient les publicités, là, ils sont chiants. C'est pas pourquoi ils m'envoient la publicité à chaque fois. Je n'en ai pas besoin. Ok. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'on avance ensemble. Il faut qu'on attaque ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Ok, écoutez encore. Hein? Ok,
une touche originale, mais ce que je compte apporter d'abord, c'est de la confiance. La confiance aux joueurs. Donc, quand vous récupérez une équipe qui a perdu 4-0 et que vous allez affronter le tenant du titre qui fait partie des plus gros favoris, vous n'allez pas chercher à inventer le football. Non, on ne va pas chercher à inventer le football. Je ne vais pas chercher à inventer le football. Je vais tout simplement revenir sur les bases du football, sur les fondamentaux. Je vais revenir sur le fait qu'il faut qu'on soit une équipe. Il faut qu'on défende ensemble. Il faut qu'on attaque ensemble. Donc, on va essayer de restructurer un peu cette... Qu'est-ce qu'il a dit? OK. Il faut d'abord qu'il y ait la confiance. La confiance, c'est quoi? La confiance, c'est la vérité. OK. Je vais recommencer encore. OK. Parce que ce qu'il dit, c'est très important. Mais lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit. Et je vais vous parler de ça. Une touche originale. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez une touche originale, mais... Ce que je compte apporter d'abord, c'est de la confiance. La confiance aux joueurs. La confiance. Ce que lui compte apporter aux joueurs, c'est la confiance. La confiance. OK. Donc, quand vous récupérez une équipe qui a perdu 4-0 et que vous allez affronter le tenant du titre qui fait partie des plus gros favoris, vous n'allez pas chercher à inventer le football. Non, on ne va pas chercher à inventer le football. Je ne vais pas chercher à inventer le football. Il ne va pas chercher à inventer quelque chose. Il va suivre juste ce qui est la logique. Je vais tout simplement revenir sur les bases du football, sur les fondamentaux. Il va tout simplement venir sur les bases qui est les racines. Est-ce que vous comprenez? Je vais tout simplement venir sur les bases. Je ne vais pas inventer quelque chose. Je vais tout simplement venir sur les bases qui sont les racines. Fondamentaux, je vais revenir sur le fait qu'il faut qu'on soit une équipe. Il faut qu'on... Je vais revenir sur les bases qui est que il faut qu'on soit... Ok. Défendre ensemble, il faut qu'on attaque ensemble. Il faut que... Il va faire... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? En gros, je vais expliquer ça dans le sens spirituel, ok? Ok. Je suis au devant de mes frères. Tout ce que je peux les apporter, c'est pas d'inventer des choses, ok? Voilà. C'est de rentrer maintenant dans la réalité, ok? La réalité qui est qu'il faut que je les mette en confiance. OK? Il faut qu'il y ait la confiance. Là, c'est la confiance qui amène l'amour. Parce que quand il y a la confiance, il y a l'amour. Quand il y a l'amour aussi, il y a la confiance. OK? Voilà. Et après ça, maintenant, il faut les mettre ensemble. OK? Il faut les mettre ensemble. Il faut les mettre ensemble. OK? Voilà. Écoutez, ce que je compte apporter d'abord, c'est ce que je compte apporter, c'est la confiance. Donc, quand vous récupérez une équipe qui a perdu 4-0 et que vous allez affronter le tenant du titre qui fait partie des plus gros favoris, vous n'allez pas chercher à inventer le football. Non, on ne va pas chercher à inventer le football. Je ne vais pas chercher à inventer le football. Je vais tout simplement revenir sur les bases du football, sur les fondamentaux. Je vais revenir sur le fait qu'il faut qu'on soit une équipe. Il faut qu'on défende ensemble, il faut qu'on attaque ensemble. Donc on va essayer de restructurer un peu cette équipe, mais on va pas. Je vais rien inventer. Je vais rien inventer du tout. Je vais faire des choses simples, avec beaucoup de discipline et beaucoup d'exigence surtout. Ok. Beaucoup de discipline et beaucoup d'injustice. C'est-à-dire, il va être sévère et puis la discipline. Vous voyez, vous savez quoi? Tout ce que le monsieur a dit là, ça y est dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il vient de dire là, tous ces mots qu'il vient de dire là, ça y est dans la parole de Dieu. Le monsieur est dans la révélation, mais lui-même, il ne sait pas qu'il est dans la révélation. Je vais vous remettre ça encore. Oh Seigneur, Jésus, Seigneur, tu es merveilleux. Ok, on écoute très bien. Hein?
Ok, après ça, je vais arrêter et je vais parler de la gestion du groupe avec des joueurs que vous connaissez depuis un certain temps. Mais sur le plan tactique aujourd'hui, par rapport à votre prédécesseur, aujourd'hui sur le plan tactique, comptez-vous apporter une touche originale pour mieux aborder cette rencontre face au Sénégal? Il ne va rien faire. Une touche originale, bon, je ne sais pas ce que vous appelez une touche originale. Il ne sait même pas de quoi le monsieur parle. Ce que je compte apporter d'abord, c'est de la confiance. C'est la confiance aux joueurs. Donc, quand vous récupérez une équipe qui a perdu 4-0 et que vous allez affronter le tenant du titre qui fait partie des plus gros favoris, vous n'allez pas chercher à inventer le football. Non, on ne va pas chercher à inventer le football. Je ne vais pas chercher à inventer le football. Je vais tout simplement revenir sur les bases du football, sur les fondamentaux. Je vais revenir sur le fait qu'il faut construire une équipe. Il faut qu'on défende ensemble, il faut qu'on attaque ensemble. Donc on va essayer de restructurer ensemble. Un peu cette équipe, mais on va pas. Je vais rien inventer. Je vais rien inventer du tout. Je vais faire des choses simples, avec beaucoup de discipline et beaucoup d'exigence surtout. Bonjour coach, Leroy Caméa pour Canal Plus derrière ici. Vous avez beaucoup pointé l'attitude de vos joueurs. Pour vous, c'est ça la principale chose qui n'a pas été avec le coach Gasquet et que vous avez ciblé. C'est pas une question forcément de jeu, mais vraiment d'attitude. C'est pas. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que aujourd'hui, l'Ivoirien a besoin de savoir qui il est. Et ce jeune homme-là, il sait qui est l'Ivoirien, mais lui-même, il ne sait pas. Parce que tous ces mots qu'il a dit là, c'est des trucs spirituels. C'est des trucs spirituels. Parce que le problème, c'est quoi? Quand j'ai fait la première vidéo, c'est parce que je vous avais dit. J'ai dit, le retraité qu'ils sont allés chercher, que ce Diallo là, le type de la FIFA là, il est allé chercher. Le monsieur ne connaît rien. Celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il faut d'abord les mettre en confiance. Il faut les mettre ensemble. Il faut faire un bloc. Il faut qu'on soit ensemble. C'est ensemble qu'on peut arriver à faire quelque chose. Car le Seigneur te dit que là où il y a la division, moi je ne suis pas. Là où tout est division, où tout est désordre, je ne suis pas. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est pas le désordre. La discipline, c'est-à-dire, ça, si ça doit être là, ça, c'est là. Si tu dois être sur la lettre A, tu es sur la lettre A. C'est ça la discipline. La discipline, c'est-à-dire, tout est à sa place. Voilà. Ok? Voilà. Bon, maintenant, ce monsieur, si vous le laissez, si vous lui donnez vraiment une grande chance, en tant qu'entraîneur, il peut faire beaucoup de choses. Même pas pour maintenant, mais plus tard, avec les équipes ivoiriennes ou l'équipe nationale ivoirienne, il peut faire beaucoup de choses parce qu'il sait ce qu'il fait. Et il est dans la révélation. Tout ce qu'il dit, ça est dans la parole de Dieu. OK? Voilà, donc c'est quelqu'un qui est inspiré par le Seigneur, mais lui-même, il ne sait pas. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant avec le drapeau? Ce qui se passe avec le drapeau de la Côte d'Ivoire, je vais vous raconter maintenant l'histoire de votre drapeau, notre drapeau plutôt de la Côte d'Ivoire. C'est quoi? Tous les pays qui sont autour de nous, ils ont des drapeaux. Mais les drapeaux, si c'est pas. Si les couleurs des drapeaux. Attendez, je vais chercher un. Ok, la couleur des drapeaux, souvent c'est vert, jaune, mais le jaune n'est pas trop vraiment jaune comme nous, notre jaune. C'est jaune clair. Enfin, je ne sais pas c'est quel jaune, mais attendez, je vais chercher ça ici et puis je vais essayer de montrer. Par exemple, on prend le drapeau du Mali.
Le drapeau du Mali, il y a vert, il y a vert, il y a vert et il y a jaune, mais c'est pas vraiment un vrai jaune, quoi. C'est un jaune un peu qui est, qui n'est pas foncé. C'est pas un jaune qui est foncé, voilà. C'est un jaune qui est un peu clair, ok. C'est un jaune qui est un peu clair. Et puis, je sais pas. Ok. C'est un jaune qui est un peu clair. Je cherche, c'est les drapeaux, je cherche. Hein. Parce que je ne vais pas rencontrer des trucs. Je voulais montrer un drapeau, mais c'est un jaune qui est un peu clair. Bon, nous le jaune, c'est vraiment comme nous, le jaune, c'est vraiment comme le soleil. C'est-à-dire quand le soleil sort, ça a un jaune dedans. Ok, voilà. Nous, le jaune Côte d'Ivoire, c'est un jaune qui est... Ok. Là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Ok, regardez le drapeau de Mali. Ok. Regardez le drapeau de Mali. Regardez le jaune. Regardez le jaune du drapeau de Mali. Ok. Regardez le jaune du drapeau de Mali. Et regardez le jaune... du drapeau de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est la même couleur? Non, c'est pas la même couleur. Le jaune du drapeau de la Côte d'Ivoire, ça s'éteint. Donc là, ça s'éteint n'importe comment. Ok. 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 Le jaune du drapeau de Côte d'Ivoire, c'est un jaune qui est comme le soleil. Quand le soleil est vraiment fort, voilà, c'est ce jaune là que ça te donne. Et c'est pour cela, des fois, quand il y a le palu du soleil, quand tu vas aux toilettes, ton urine est très très jaune. Ok, voilà. Donc regardez notre jaune, notre jaune n'est pas pareil comme le jaune de Mali, du Mali. Ok, voilà. Autour de nous, tu as le Mali, tu as le Burkina, tu as la Guinée, tu as le, comment on appelle ça, tu as le Sénégal. Tous les pays qui sont autour de nous, dans leurs drapeaux, il n'y a pas de blanc. Je crois bien, il n'y a pas de blanc dedans. Ok. Le seul drapeau où il y a le blanc, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Sinon, les autres, si ce n'est pas le rouge, c'est jaune et puis vert. On a le vert ensemble. Ok, voilà. Alors, le drapeau de Côte d'Ivoire veut dire quoi? Le drapeau de Côte d'Ivoire veut tout simplement dire que le jaune, c'est le soleil. Ok? Le jaune, c'est le soleil. Ok? Le blanc, c'est la lumière. Ok? Le vert, c'est la nature, c'est-à-dire la forêt. Ok? Voilà. Alors, les trois couleurs signifient quoi dans le spirituel? Les trois couleurs signifient que le jaune est le, comment on appelle, le beau temps. Ok? Dans le spirituel, le jaune, c'est le beau temps. Ok? C'est-à-dire, c'est un temps, c'est le beau temps, quoi. C'est tout le monde est heureux, tout est joyeux, c'est là où les fleurs s'ouvrent. Quand tu plantes la fleur, elle est fermée, mais c'est là où ça s'ouvre. Tout est beau, tout est beau, quoi. C'est la joie, tout le monde est content. Tu vois, les femmes, elles portent des robes, tout le monde. Ça, c'est le jaune. Ça, c'est la signification du jaune. OK? OK. Le jaune, c'est la joie. OK? Bon, maintenant, le blanc, c'est quoi? Le blanc, c'est la lumière de Dieu. Le blanc, c'est la vérité. C'est être en sang. Ok, le blanc, c'est la vérité, c'est la lumière. Ok, voilà. Donc, le blanc signifie le signe de Dieu, qui est la vérité,
qui est la lumière. Ok, voilà. Maintenant, le vert signifie la nature. La nature, c'est quoi? La nature, c'est la forêt. Et c'est pour cela que la terre de la Côte d'Ivoire est riche. Tout ce que tu plantes à Côte d'Ivoire, ça prospère. Ok, voilà. Le vert veut dire que on a un pays qui a une terre qui est riche. C'est ce que le vert veut dire. Maintenant, le blanc veut dire que la lumière de Dieu. Quand le Seigneur, le commencement, on dit le commencement était la parole. La parole était dans les ténèbres. Et le Seigneur se présentant à la parole. Et la parole, le Seigneur faisait quoi? Le Seigneur demandant la lumière qui est la vérité. Ok? Le Seigneur demandant la lumière qui est la vérité. Ok, voilà. Donc le blanc, c'est, ça signifie beaucoup de choses dans le drapeau de la Côte d'Ivoire. Les trois couleurs signifient beaucoup de choses. Ok, voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça. Alors, ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure, c'est la signification même du drapeau. Ok, la vérité. Qu'on soit ensemble et qu'on soit dans la détermination, pas dans le mensonge. Alors, de quoi je veux parler? Je veux parler de tout simplement que aujourd'hui, vous êtes en train de jouer un match qui est vraiment important pour toute l'Afrique. Ok? Voilà. Ce match-là, Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Sur tout ce qui est en train de se jouer, le Seigneur a un plan. Mais ce plan de Dieu-là, si vous ne faites pas attention, vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté. Pourquoi vous allez passer à côté? Parce que vous ne suivez pas la voix de Dieu. Parce que vous ne suivez pas la voix de Dieu. Suivre la voix de Dieu, c'est quoi? Être dans la vérité. Laisser la nature faire les choses. Comme lui-même, il a dit tout à l'heure que je ne vais pas inventer quelque chose. Je vais tout simplement faire ce qui est déjà là. Mais à cadrer ça pour qu'on soit ensemble, pour qu'on joue ensemble. Pour donner des racines à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Sinon, je n'ai rien à changer. Ok? Donc, le problème aujourd'hui, c'est quoi? J'ai vu sur les réseaux sociaux, je vois des Ivoiriens qui font des trucs mystiques. Qui tuent, qui égorgent des poulets, tout ça là. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est très dangereux ce que vous êtes en train de faire. Je vois des gens, je ne vais pas les citer, je ne vais pas mettre leur nom dans ma vidéo, mais je vois des gens qui se disent qui font des trucs mystiques et qui sont en train d'égorger des poulets, qui se mettent des kaolins sur le visage. Vous allez me dire que c'est des trucs africains, on ne peut pas laisser ça pour nous. Non, vous êtes obligés de laisser ça. Parce que c'est des bêtises comme ça là, qui mettent l'Afrique en retard. C'est les bêtises comme ça qui mettent l'Afrique en retard. Quand vous interviewez des sorciers qui viennent sur les plateaux de chaînes sur la Côte d'Ivoire, ça met la Côte d'Ivoire en retard. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays que Dieu a choisi. Par le drapeau, c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire de votre drapeau. Ok? L'histoire de votre drapeau. Et j'ai entendu des gens qui disent que oui, on va changer l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas changer parce que l'hymne national de la Côte d'Ivoire répond à l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Ok? La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Et pourquoi la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil? Parce que quand notre ancien président était là, Félix Houphouët-Boigny était là,
Les Blancs l'ont obligé, c'est-à-dire les De Gaulle, les Pompidou, la sienne France l'a obligé à rentrer dans la franc-maçonnerie pour mettre la Côte d'Ivoire sur un truc satanique. OK? Et lui, pour casser ce truc satanique, pour ne pas que ce truc satanique agisse vraiment sur la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, oh là là, ce téléphone m'a mis. Comment ça m'énerve, sérieusement. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'ils l'ont obligé à faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas que ça agisse, pour ne pas que les trucs mystiques vraiment agissent vraiment sur la Côte d'Ivoire, il a cassé ça. Il a cassé ça. Il a cassé ça comment? Comment il a cassé ça? Il a posé des lois sur la Côte d'Ivoire pour dire que non, l'étranger doit être la Côte d'Ivoire doit accueillir des étrangers. La Côte d'Ivoire est un pays c'est un pays où il faut accueillir des étrangers. La Côte d'Ivoire, la porte de la Côte d'Ivoire est ouverte pour les étrangers. Quand les étrangers viennent, ils doivent se sentir bien en Côte d'Ivoire. C'est Oufouet qui a mis ça. Pourquoi il a mis ça? Il a mis ça parce que à cause du truc spirituel. OK? Parce que seulement là où ça a raté, c'est quoi? Où ça a raté, c'est qu'il n'a pas bien fait ça. Il n'a pas bien fait ça. OK? Voilà. Donc, je vais sortir de ce domaine parce que si je rentre dedans, vous n'allez rien comprendre. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le drapeau de votre pays a une histoire. Et ce que cet entraîneur-là vient de dire, tous les mots qu'il a dit, ça correspond à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais lui-même, il ne sait pas. OK? Quand des gens disent que oui, comment on appelle, faire des médicaments pour jouer au ballon, faire ceci, faire... Peut-être les autres pays peuvent faire ça. Ça peut marcher pour eux. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas faire ça pour que ça marche. Ça ne marchera pas. La seule chose que ça peut faire seulement, ça va détruire la Côte d'Ivoire. C'est tout. Ça va détruire la Côte d'Ivoire. Ça va détruire la Côte d'Ivoire. OK? C'est-à-dire, ça va détruire la Côte d'Ivoire. C'est tout. OK? En ce moment-là où je vous parle là, vous ne pouvez pas dire que vous allez prendre quelque chose qui va faire honneur à votre pays et puis vous allez aller voir Satan. Oh, ce téléphone-là me dérange. J'aurais pas dû mettre ça à côté de moi. C'est même pas pourquoi j'ai mis ça. J'arrive pas à éteindre ça. Ce téléphone est quand même bizarre. Tu éteins ça, ça s'allume tout seul. Yes, j'ai un téléphone. Alors, c'est bizarre parce que c'est bizarre parce que tu ne peux pas, comment on appelle ça, qu'est-ce que je disais même? Tu ne peux pas dire que tu veux quelque chose qui va faire honneur à la Côte d'Ivoire et puis tu vas aller faire médicament. Ça ne pourra pas marcher. Par contre, si tu fais médicament pour dégrader la Côte d'Ivoire, pour faire souffrir la Côte d'Ivoire, oui, ça peut marcher. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, par exemple, la coupe d'Afrique, là. Ça, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour avoir cet honneur-là, si vous allez faire médicament, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Par contre, si vous mettez ça devant la face de Dieu, ça peut marcher. Quelque chose qui ne fera pas honneur à la Côte d'Ivoire, si vous partez faire médicament, ça va marcher. OK? Donc, c'est comme ça. Des fois, il y a des choses qui marchent sur la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est vos médicaments qui font marcher ça. Ce n'est pas vos médicaments. C'est parce que la grâce de Dieu accepte cela. C'est pour ça que ça marche, ça. OK. On va venir dans le match de Côte d'Ivoire-Sénégal. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a eu cette victoire? C'est la grâce de Dieu.
C'est la grâce de Dieu qui les a donné cette victoire. Sinon, c'est le Sénégal qui allait gagner. C'est pour cela que les Sénégalais sont dépassés. OK? C'est pour cela qu'ils sont dépassés. Ils se sont dit, mais comment ils ont pu nous gagner? J'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui dit, oui, on a l'habitude de gagner les Sénégalais. Oui, vous avez l'habitude de les gagner, mais est-ce que c'est sur quelque chose d'important que vous les gagnez? Est-ce que c'est sur une coupe? La CAN, c'est quelque chose qui est très important. Tous les pays africains sont branchés en ce moment sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est dans ça là que vous gagnez les Sénégalais? Non, c'est quand vous faites vos matchs amicaux que vous les gagnez. OK? Voilà. Donc, je vous avais dit, j'ai dit que si vous partez faire médicaments, le Seigneur va me dire ça et je vais venir faire vidéo. Arrêtez de faire des médicaments. Arrêtez de faire des médicaments parce que vous étiez déjà sorti de la course. Vous étiez déjà même sorti de la course. Et nous, on a prié. Moi, j'ai prié. Peut-être il y a d'autres personnes qui ont prié, je ne sais pas. Mais le Seigneur vous a fait grâce. Et le Seigneur est passé par Maroc pour vous faire revenir dans le match. Si le Seigneur vous a fait revenir dans le match, ça veut dire que Dieu a un plan pour vous. Donc, suivez ce plan de Dieu-là. Et vous allez voir vous-même ce que vous allez voir. Mais si vous commencez à aller prendre des gens qui s'appellent les Aziz, vous allez prendre des marabouts, on dit des gens qui sont à Accra ou je ne sais pas quoi, aller ménager tout ça, c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. La chose va vous passer sur le nez. Et c'est quand ça va vous passer sur le nez maintenant que vous allez regretter. C'est quand ça va vous passer sur le nez que vous allez regretter. Parce que toutes ces personnes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux en train de gorger des poulets là, ce n'est pas des choses qui peuvent vous faire gagner ce que vous êtes en train de jouer là. Ça ne peut pas vous faire. C'est des gens qui sont tout simplement en train de vous mentir, en train de vous flatter. Et puis nous qui prions là, quand on fait que Dieu vous donne la victoire, eux, ils se font voir pour dire que non, c'est à cause d'eux que vous avez la victoire. Quand c'est comme ça, c'est dangereux parce que le Seigneur dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc ce que vous êtes en train de faire là est très dangereux. Vous partez les voix. Et nous, en cachette, moi je prie, ou peut-être il y a des personnes peut-être qui sont sincères comme moi devant la face de Dieu qui prient aussi. Et vous avez ce que vous voulez. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous partez maintenant vers ces personnes pour dire que ah, c'est à cause d'eux là qu'on a eu ça. Dieu n'aime pas ça. Alors le Seigneur me dit de venir vous dire qu'il faut que vous arrêtez. Parce que si vous n'arrêtez pas là, si vous n'arrêtez pas, lui Dieu, il va vous envoyer un choc. Vous allez avoir un choc. Vous allez... Le Seigneur dit que si vous n'arrêtez pas là, d'aller faire médicaments, toi l'entraîneur là, l'entraîneur de Côte d'Ivoire, toi qui as parlé tout à l'heure là, voilà, reste toujours... Reste dans la vérité. Comme tu parles de vérité, non? OK. Donc, reste dans la vérité. Afin de médicaments, il faut mettre ça à côté. Vous les jouez là. Vous tous qui jouez là. Laissez affaire de médicaments. Vous qui êtes dans FIFA là. Parce que vous avez montré à Draman que maintenant, vous allez faire quelque chose. Et lui-même, il va voir là. Enlever médicaments dedans. OK? Voilà. Il y a trois personnes que le Seigneur m'a données. Le Seigneur m'a dit, la FIFA, le monsieur qui s'appelle Diallo, je ne sais pas quoi là. Il faut enlever affaire de médicaments là, dans le ballon. Faut enlever. Le Seigneur dit, il faut enlever ça dedans. OK? Je ne sais pas si je peux voir sa vidéo pour le montrer. OK? Le Seigneur dit, il faut enlever affaire de médicaments dedans. OK? Voilà, il est là. C'est lui-là. Lui-là. Lui-là qui est là, là. Lui, le monsieur qui est en lunettes, là. Voilà, celui qui a lunettes, là. Voilà, celui qui a lunettes. Là. Pas l'autre qui est à côté, mais celui qui a lunettes. De toute façon, vous le connaissez. Le Seigneur me dit de te dire, il faut enlever à faire des médicaments dans le ballon. Sinon, tu vas avoir un choc. OK. Maintenant... Ah, mais c'est mes cheveux là.
Maintenant. C'est pas forcément ce qui n'a pas été avec eux. Maintenant, lui. Oh Seigneur, ça grise dans ma main. Ok, maintenant lui là, le Seigneur me dit, il faut enlever à faire des médicaments dans le ballon là. Maintenant, on va sur les joueurs. Ok, vous ne savez pas encore comment Dieu travaille. Vous voulez avoir un choc, continuez vos histoires de médicaments là, seulement. Vous allez avoir un grand choc avec Dieu. Vous ne connaissez pas encore Dieu. Ok, maintenant. Les joueurs là, tous les joueurs là qui sont là, vous là, ok, le Seigneur me dit de vous dire, parce que le Seigneur m'a donné vous, le Seigneur m'a envoyé sur trois images, Monsieur Diallo, l'entraîneur là, et puis les joueurs. Le Seigneur me dit de vous dire que votre affaire de médicaments là, arrêtez ça immédiatement. Parce que lui, il vous est remis dans la course. Parce que nous, on a prié. Ok? Voilà, nous, on a prié. Ensuite, moi, j'ai prié. Je ne sais pas qui a prié, mais en tout cas, moi, j'ai prié. Vous allez me dire que, est-ce qu'une seule personne peut prier, puis ça peut se passer comme ça? Oui, une seule personne peut prier. Et si la personne, ça dépend de sa relation avec Dieu, ça dépend de la relation et que la personne a avec Dieu, c'est-à-dire de son intimité avec la personne a avec Dieu. Dieu peut faire ça pour une seule personne. On va sur le cas de Noé. Quand Noé, le Seigneur était en train de détruire le monde qu'il a créé avec l'eau. Avec l'eau, hein, c'est pas avec quelque chose, avec l'eau. Parce que l'eau dans l'eau, là, il y a la puissance de Dieu dans l'eau. OK? Donc, Dieu a pris l'eau pour commencer. Il a vaillé l'eau sur la terre. Donc, l'eau apportait maintenant les êtres humains. Et ça mourait de partout. OK? Et c'est à cause de Noé que le Seigneur a arrêté. Quand le Seigneur a vu l'amour de Noé, quand le Seigneur a vu la vérité qui était à Noé, quand le Seigneur a vu que Noé était différent de ses autres enfants, le Seigneur a dit, à cause de Noé, je vais arrêter, à cause de lui, pour ne pas que je lui fasse de la peine. Le Seigneur ne voulait pas faire de la peine à Noé, parce que Noé était en train de prier à Dieu que d'arrêter, qu'il ne faut pas qu'il va les regarder, il ne faut pas qu'il va regarder de la façon qu'ils se comportent, qu'ils sont, que lui, Dieu, il n'a qu'à avoir compassion. Il n'a qu'à avoir pitié d'eux. Il n'a qu'à les laisser. Et quand Noé a commencé à prier de cette manière, le Seigneur a arrêté de détruire le monde. Sinon, le Seigneur était en train de détruire le monde. Il a arrêté de détruire le monde à cause de Noé. Parce qu'il a trouvé une vérité en Noé. Il a trouvé un amour sincère en Noé. Un amour qui venait vers Dieu, mais qui n'avait pas de conditions. Un amour réel. Où il n'y avait pas dire que oui, je vais te prier, puis tu vas me donner ça. Je vais faire ça, puis tu vas me donner ça. Non, ce n'était pas cet amour-là. C'était juste un amour d'un père à un enfant. D'un enfant à son père. Et c'est ce que Dieu a vu à Noé. Et quand le Seigneur a vu ça en Noé, le Seigneur a arrêté de détruire la terre. Et le Seigneur a dit à Noé qu'il ne va plus jamais recommencer ça. Et le Seigneur, c'est ce jour-là que le Seigneur a tissé une alliance. Vous savez, des fois, quand il y a dans le ciel, il y a un truc, je ne sais pas comment on appelle ça en français, la casselle ou je ne sais pas quoi. C'est ça qui est l'alliance entre le ciel et la terre. C'est ça que Dieu a mis, que c'est comme si c'était une alliance, que plus jamais, tout ce que les êtres humains vont faire, il ne va plus jamais détruire la terre. Il ne va plus jamais les détruire. Mais c'est au dernier jugement qu'il va les juger. Et ceux qui ont été bien, ils vont venir dans son royaume. Ceux qui n'ont pas été bien, ils vont aller en enfer. OK?
Donc, à cause d'une seule personne, le Seigneur peut changer une situation. À cause d'une seule personne, le Seigneur peut changer une situation. OK? Voilà. La gloire, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour un être humain. OK? Je vous ai dit que quand mon cousin m'a appelé, et puis on était en train de parler, mais je sentais qu'il avait une voix qui était abattue. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, je ne me sens pas bien, la Côte d'Ivoire est en train de sortir. J'ai dit, comment ça, la Côte d'Ivoire est en train de sortir? Et puis il m'a dit, j'ai dit, mais maintenant, c'est quoi qu'il doit, c'est quoi que la Côte d'Ivoire doit faire pour revenir dedans dans le match? Il m'a dit, soit il faut que le Mali, soit il faut que le Mali gagne, ou soit il faut que le Maroc gagne. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire va rentrer dedans. Il dit, tu es sûr que ces équipes-là vont gagner? Je dis, je ne peux pas te dire s'ils vont gagner ou s'ils ne vont pas gagner. Mais ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire va rentrer. OK? Et je suis rentré en prière. Quand je suis rentré en prière, quand j'ai fini la prière, c'est là que j'ai fait la vidéo. OK? J'ai fait la vidéo. Je crois que j'ai fait la vidéo avant la prière ou après. Je ne me rappelle plus, mais j'ai fait la vidéo. Quand j'ai fini la vidéo, j'ai balancé la vidéo. OK? Pour dire que la Côte d'Ivoire va rentrer. Ils vont avoir une chance. Dieu va avoir pitié d'eux, ils vont rentrer. Dieu ne va pas nous laisser comme ça. Et c'est là que le Maroc a gagné et la Côte d'Ivoire est rentrée. Donc aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est rentrée, là, vous allez regarder le Seigneur. Ce n'est pas moi que vous devez regarder, non. Regardez le Seigneur. Regardez Jésus, votre Créateur. Regardez-le. Priez-le. Pour que vous puissiez continuer. Et lui, Dieu, là où il va vous arrêter, là, il va vous arrêter, là. Et si vous partez, vous, si vous dispersez, toi-même, tu es en train de dire que non, la base, c'est la confiance. C'est l'union, c'est-à-dire se mettre ensemble. Mais tout ce qui est médicament, ça disperse. Tout ce qui est médicament, là, ça disperse. Parce que ce n'est pas des choses qui appartiennent à Dieu. Tout ce qui n'appartient pas à Dieu, ça disperse. OK? Donc, la seule chose que moi, je vais dire, c'est que... Vous êtes rentré et toi, cet entraîneur qui est mon fils, ou qui est mon grand frère, mon petit frère ou mon fils, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es un peu trop jeune. Tu dois faire face à Dieu. Et ton monsieur Diallo, là, qui est dans FIFA, là, tu dois lui dire de faire face à Dieu. Regardez que Dieu, et dites aux joueurs là, de regarder le Seigneur. Et toutes les équipes que vous allez rencontrer sur votre chemin, là, vous allez toujours devant. Jusqu'à ce que ce qui doit arriver, va arriver. Mais si vous vous dispersez partout, si vous laissez des gens en train de gorger des poulets à plein vidéo, en train de gorger des poulets pour montrer que c'est les marabouts qui font que vous êtes en train de partir, c'est quel message que vous donnez à Dieu? Alors le Seigneur m'a dit qu'il faut que vous arrêtez, il faut que tout ça là, ça s'arrête sur la Côte d'Ivoire. Il faut que ça s'arrête. Parce que si ça ne s'arrête pas là, il va vous afficher une honte. Le Seigneur dit que si ça ne s'arrête pas là, il va vous exposer une honte. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Le Seigneur dit que regardez-le. C'est lui qui vous a mis dans le match. C'est lui qui... Et même le match que vous avez joué avec le Sénégal là, c'est une grâce qu'il vous a donnée. C'est une grâce. Sinon, c'est le Sénégal qui allait gagner. C'est le Sénégal qui allait gagner. Mais lui, Dieu, là, à cause de nos prières, à cause de moi, ma prière, ou à cause de... Enfin, moi je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre à prier, je ne sais pas. Mais quand moi, j'ai commencé à prendre des choses, c'est là que ça a commencé à changer. OK? C'est là que le Maroc a gagné. C'est là que vous avez croisé le Sénégal. Et je vous ai dit que si vous regardez le Seigneur, vous allez gagner. Mais vous n'avez pas gagné. Pourquoi? Parce que vous avez fait des médicaments. Vous avez fait des médicaments.
Et c'est pour cela que Dieu vous a laissé comme ça. C'est pour cela que vous êtes fatigué jusqu'à arriver au tir au but. Sinon, normalement, vous devez gagner. Vous n'allez même pas arriver là où vous êtes arrivé. Si vous avez seulement regardé le Seigneur là, vous n'allez même pas arriver là où vous êtes arrivé, en train de jouer jusqu'à fatiguer, en train de tirer les buts maintenant. Vous n'allez même pas arriver là-bas. Ok? C'est-à-dire, ils allaient même dedans, mais vous, pour vous là, ça allait être peut-être 2 buts ou 3 buts. C'est ce que le Seigneur avait prévu pour vous. Mais c'est parce que vous avez commencé, vous avez fait les médicaments. Vous étiez en train de jouer avec des médicaments. Et vous êtes allé attacher des choses pour jouer. Et le Seigneur n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça. Mais moi, le Seigneur m'avait promis que il allait quand même vous faire passer. Mais c'est pour cela que je vous ai dit que jouez, mouillez le maillot, regardez Dieu, vous allez battre les Sénégalais. Je vous avais dit ça dans ma vidéo. Et si vous jouez, que vous regardez Dieu, ben vous allez battre le Sénégal. Mais vous n'avez pas joué. Vous n'avez pas joué, pourquoi? Parce que vous êtes allé toucher des trucs que vous ne devez pas toucher. Vous êtes allé toucher des trucs que vous ne devez pas toucher. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais dans votre ballon là aujourd'hui, Dieu est dedans. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu est dedans. Je n'en sais rien. Ok? Parce que la majorité de vous, les joueurs là, vous jouez à un médicament. C'est rare que tu vois les joueurs qui ne jouent pas. C'est les joueurs peut-être européens. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est rare que les joueurs là, vous, tous les joueurs, surtout les joueurs africains, là, vous faites beaucoup de médicaments. Mais le ballon de Côte d'Ivoire, de là où je suis en train de parler, la canne qui est en train de jouer là, au niveau de la Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu même qui est dedans. Donc ce Dieu-là, il m'a dit de vous dire, vos médicaments là, mettez ça à côté. Et puis lui, il va vous faire jouer et vous allez gagner. Donc mettez vos médicaments à côté. Et lui, Dieu là, vous allez voir sa gloire, vous allez voir qui il est. Il va vous amener jusqu'à la victoire. Mais si vous ne laissez pas les médicaments là, ah, il va vous choquer. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si, dis-le que s'il n'arrête pas de faire les médicaments là, je vais leur donner un grand choc qu'ils ne vont jamais digérer, que toute la Côte d'Ivoire ne va pas digérer. Ok? Voilà. Donc moi, ce qu'il m'a dit, c'est ce que je suis venu vous dire. Le Seigneur dit que vous avez joué avec les médicaments, que lui, c'est sa grâce qui a fait que vous avez pris le dessus sur le Sénégal. Ok? À cause de nos prières. À cause de moi, ma prière, ou peut-être les prières de d'autres personnes, moi, je ne sais pas, mais à cause de moi, j'ai prié en tout cas. J'ai demandé à Dieu et Dieu m'a répondu. Ok? Et c'est que c'est les médicaments que vous avez fait qui a rendu le match dur, très dur. Qui a fait que vous ne jouez même pas. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas joué au terrain. Parce que ce n'est pas ce jeu-là que vous devez jouer. Et ce qui s'est passé là, ce n'est pas ce qui allait se passer. C'est-à-dire, vous les Ivoiriens là, vous les joueurs Ivoiriens là, vous allez marquer normalement entre 2 buts et 3 buts. Et puis le match allait finir. Ok, et puis le match allait finir complètement. Le Sénégal même n'allait même pas mettre un but dedans. Ça allait être 2 buts à 0 ou 3 buts à 0. C'est-à-dire le 0 là, ça allait être chez les Sénégalais. C'est-à-dire vous allez les battre avec le jeu, pas tir au but. Mais comme le Seigneur m'avait déjà dit que vous allez prendre le dessus. Mais si vous mettez médicaments dedans, ça allait se compliquer. Et c'est pour cela que je vous ai dit, laissez affaire des médicaments. Donc, comme vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez pas écouté. Parce que quand je fais mes vidéos là, vous les gens de RDR, là, quand je fais mes vidéos là, au lieu de partager ça, amener ça là où vous devez amener, vous laissez, non, il n'y a pas de problème. Là, là, vous avez gagné Sénégal, non, vous criez partout, non, d'accord. Laissez, vous allez croiser chose, le Mali, non, jouez à ce jeu-là que vous êtes en train de jouer avec moi et vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je ne veux pas médicaments. Moi, je ne connais pas médicaments. Mon Dieu que j'ai pris là, il m'a dit que médicaments que vous faites là, laissez ça. Lui, il va vous aider à gagner ce que vous devez gagner.
Donc, si vous ne voulez pas écouter Dieu, que vous êtes en train d'attacher des plastiques, des médicaments, des conneries, là, ah, ça, c'est votre problème. Hein. Si vous sortez dedans, ne venez pas emmerder les gens. Hein. OK? Voilà. Moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. On attend maintenant le match des choses. Le prochain match, je ne sais pas avec qui vous allez jouer, mais ce que j'aurai appris, vous allez jouer avec le Mali. Donc, si vous faites vos médicaments, ah, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Avant même que le match commence, moi, je vais prier. Si Dieu me dit que vous avez fait un médicament, là, moi, je vais quitter devant la face de Dieu. Et puis, vous-même, votre médicament va jouer. OK? Voilà. Parce que vous, les Ivoiriens, là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous êtes tellement habitués à médicaments. Dieu est en train de faire des trucs et puis vous croyez que c'est... Mais c'est comme le problème des Draman, non? Draman est en train... Vous êtes en train de faire les médicaments partout pour rester au pouvoir. Alors que c'est Dieu même qui vous mettait au pouvoir, mais vous ne savez même pas. C'est Dieu même qui fait que vous êtes là, mais vous ne savez même pas. OK? Voilà. Donc, arrêtez vos histoires de médicaments. Là. Puis Dieu va faire ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, le match de Sénégal, Côte d'Ivoire, là, c'est une grâce de Dieu. Comme Dieu avait déjà dit, oui, je vais les faire passer, c'est pour cela qu'il a fait ça. Mais le Seigneur me dit que le prochain match, là, si vous recommencez vos bêtises, là, ben vous allez lire l'heure. Donc, à bon attendeur, moi, je vais vous laisser. OK, voilà. Donc, tout dépend de vous maintenant. Dieu ne vous force pas. Si vous laissez le médicament, lui, il se met dans le match et puis il va vous donner la victoire. Si vous partez sur le médicament, mais lui, il se retire. Il m'a déjà dit ça. Donc, c'est pour cela que je suis venu faire une vidéo. Il a dit, là, il vous a laissé une chance, une grâce. Vous avez eu un point sur le Sénégal. Mais la prochaine fois que vous recommencez le médicament, avec le prochain match, lui, il se retire et puis vos médicaments vont jouer. Donc, il m'a dit de vous dire ça, OK? Donc, voilà, je vais m'arrêter là, OK? Et puis, portez-vous bien. Et on a bientôt et partagez la vidéo, OK? Voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que... je voulais parler de Soro, mais je ne vais pas ménager cette vidéo avec les trucs de Soro. Mais seulement, je voulais rajouter quelque chose dessus, que quand les soroïstes qui sont en train de choses, comme on appelle, de dire que oui, les Maliens sont frappés. J'ai vu un monsieur qui faisait une vidéo pour parler d'une soroïste, là, dire que je ne vais même pas dire son nom parce que celle-là, elle n'a rien dans la tête. Dire que oui, que les Maliens sont, les Ivoiriens sont en train de frapper les Maliens en Côte d'Ivoire, et que, chose, comment on appelle ça, et que ceci, cela, vous les soroïstes là même, c'est quel jour même que vous allez arrêter vos bêtises là que vous faites, vous allez arrêter ça quand? C'est quel jour que vous allez arrêter ça? Vous n'avez rien compris à quoi? Que votre soro là, il doit faire une repentance de tous ces crimes qui ont été commis sur son ordre. Sur quand il disait faites ça aux rebelles, et puis les rebelles découpaient les Ivoiriens. Là. Vous ne pouvez pas lui dire d'aller faire une repentance devant le Seigneur. Vous n'êtes pas capable de lui dire ça. Mais vous venez à chaque fois pour inventer des choses. Le jeu dans lequel Ousero se trouve là, quand la canne là va finir là, je vais parler de ça. OK? Le jeu dans lequel Ousero se trouve avec ceux qui se disent gouvernement malien là. Bon, Burkina, pas trop, parce que le type du Burkina, là, lui, il est sur ses gardes avec Soro. C'est ça qui me plaît chez lui. C'est que lui, il rigole avec Soro, mais il est sur ses gardes avec Soro. Parce que le type qui l'a fait renverser, là, comment il s'appelle même celui-là? Le type qu'il a fait renverser, là, attends, Taliba ou je ne sais quoi, qui l'a fait renverser, là? Le monsieur, là, c'est un ami à Soro. Il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais j'attends. Quand la canne là va finir, là, je vais vous sortir qui est Soro. OK? Le monsieur là qui était l'ancien président burkinabé, là, il a mis avec Soro. Soro veut venir gouverner la Côte d'Ivoire. Pim, 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 pim. Soro veut venir gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, en ce moment, Soro, là,
Soro que vous gardez au Mali, là, vous les Maliens, là, vous ne savez même pas ce que qui est Soro. Je vous ai dit, Soro est dangereux. Soro, là, il est dangereux. Soro que vous gardez au Mali, là, Soro, la nuit, là, il négocie avec la France. Soro veut venir gouverner la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Soro est dans le fait qui va vous dépasser. Si ça s'explose, là, c'est-à-dire si ça vient au grand jour, là, vous les Maliens, là, même vous-même, vous allez dire, hein, donc c'est une vipère qu'on a cachée dans notre pays ici. OK? Voilà. Vous dites que vous n'êtes plus avec la France, non? OK. Votre Soro, là, demandez-lui bien qu'est-ce qu'il fait avec la France la nuit. OK? Le coup de fil que les deux se passent, là. OK? Voilà. Parce que le président français, là, lui, il poursuit un peu Soro parce qu'il a besoin de placer M. Thiam. Donc, il veut se servir de Soro pour placer M. Thiam. Mais la prochaine fois, je ne vais pas mélanger ma vidéo avec des bêtises comme ça. La prochaine fois, je vais te donner tous les détails. OK? Je vais te donner tous les détails. Mais seulement ce que j'ai à dire, c'est que vous, les Soroïstes, là, il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Parce que vous n'allez pas mettre deux pays en guerre. Vous n'allez jamais pouvoir mettre la Côte d'Ivoire et le Mali en guerre. Jamais. Dieu ne pourra jamais permettre ça. OK? Vous n'allez pas mettre aussi le Burkina et la Côte d'Ivoire en guerre. Jamais. Dieu ne va jamais permettre ça. OK? Voilà. Donc, votre Soro, là, vous ferez mieux de lui dire que de revenir à la raison et faire une repentance et puis rester tranquille. Nous foutre la paix. Parce que nous, on est fatigués de lui. Mais lui, non, Soro, il est sur tous les bords. Soro, il est avec PPACI, Soro avec la France. Mais la France c'est pas trop ça. Donc, je ne veux pas trop aussi mettre la France. La France veut jouer, veut l'utiliser. Mais lui, Soro aussi, il fait attention. Donc, c'est pas vraiment, le courant ne passe pas trop. Il y a un intermédiaire qui est au milieu, donc le courant ne passe pas trop. La personne parle et puis la personne vient dire à Soro. Donc, ça devient un peu compliqué. OK? Voilà. Donc, il y a chose, comment on appelle ça? Non, c'est n'importe quoi. Tu sais, tout est mélangé avec Soro. Tu ne sais même pas dans quoi il est. Tellement tout est mélangé. Donc, qu'est-ce qu'il dit à ses cibles maintenant? Oui, dites ça, dites ça, dites ça. Comme ça, les Ivoiriens, ils vont s'énerver. Mais c'est quel Ivoirien qui va s'énerver? Toi, Soro, aujourd'hui, tu dis à tes cibles là, de parler d'un militaire qui est mort. Que Brahima Draman a tué, ou Brahima, je ne sais quoi, a tué. Toi, Soro, tu dis ça aujourd'hui. Mais tous les Ivoiriens que tu as tués, là, si on les compte là, mais ça va chauffer, hein, Soro. Un seul militaire qui est mort, mais tu as tué beaucoup de militaires. Toi, Soro, tu as tué beaucoup de militaires. Tu as tué beaucoup d'Ivoiriens qui sont militaires. Tu as tellement tué. Quand tu as la bande des rebelles, là, le massacre qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire, là, toi, Soro, aujourd'hui, tu peux dire à un cyber, tes cyber là que non, dites aux Ivoiriens, tel militaire a été tué par Brahima Ouattara, tel. Toi, Soro, hein? Toi, chef des criminels, là, toi, tu vas rester là à citer les gens, tu vas rester là à citer des gens que les autres ont tués, et pour toi, là même, tu mets ça où? Les crimes que tu as fait là, tu mets ça où? Pour toi, là, tu ne parles pas de ça, hein? Donc maintenant, toi, tu es bien, tu aimes tellement les Ivoiriens que tu les protèges maintenant, que tu dis à tes cibles maintenant, dénoncer tel militaire a été tué par... Mais toi, tu crois que vraiment on a ce temps-là. Ton clown là qui se dit, comment on appelle ce truc, ce type là même, qui se dit prophète là. Vous avez fini avec lui maintenant, vous êtes sur militaire. Après militaire, ça va être quoi? Vraiment, il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Parce que nous, les Ivoiriens, on est fatigués, on a envie de vivre tranquillement. Je vous ai toujours dit, et je vais vous dire, que Draman qui est assis là, c'est vous. Vous dites que c'est vous qui l'avez mis, non? Que vous l'avez habillé dans la forêt, non?
Ok. Mais pourquoi vous ne voulez pas l'enlever? Puisque c'est vous qui l'avez habillé. Quand tu habilles quelqu'un pour le déshabiller, c'est 2 minutes. Arrêtez de nous emmerder. Vous comprenez? Arrêtez. Ils se sont servis de vous pour faire quelque chose. Maintenant, Dieu même a pris le relais maintenant. Et pourquoi Dieu a pris le relais? Parce que à cause de vos bêtises que vous faites, c'est pour cela que Dieu a pris le relais. Le monsieur qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là pour vous chicoter un à un. Donc, laissez-le tranquille. C'est ce que j'ai toujours dit. Et c'est ce que je vais toujours dire. Quand le temps de Dieu va arriver là, Dieu seul sait comment ce qu'il va faire. Okay. Donc foutez-nous la paix avec vos histoires que vous imaginez pour venir embrouiller les gens. Non, tel militaire a été tué par tel père. Mais les militaires ivoiriens que seront les rebelles de seront tués là. Est-ce qu'on peut les compter? Vous avez creusé un gros trou comme ça, versé les militaires là-dedans. Vous voulez qu'on vous sorte les vidéos des massacres que seront à faire avec ces rebelles? Vous voulez qu'on vous sorte ça? Vous qui parlez là, vous les cyber de Soro là, vous voulez qu'on vous parle de ça, vous voulez qu'on vous montre les vidéos. Si vous m'énervez là, je vais chercher les vidéos là où les militaires sont. J'ai vu ça l'autre fois, les militaires sont là et puis ils sont en train de tirer sur eux comme des moutons. Vous voulez qu'on vous montre ça, les rebelles de Soro là, c'est le massacre qu'ils ont fait sur la Côte d'Ivoire là. Vous voulez qu'on vous montre ça? Arrêtez de nous emmerder, hein. Ok? Vous avez crié ici, non, la canne là, Soro va venir regarder Soro. Je vous ai dit que Soro ne mettra pas ses pieds là-bas. S'il met ses pieds là-bas, c'est le Seigneur même qui va le chicoter. Ok? Voilà. Si Soro vient en Côte d'Ivoire pour foutre sa merde là, il n'a qu'à bien prier. Hein. Je ne sais pas quel Dieu il prie, mais en tout cas, le jour qu'il rentre là-bas, là, il ne va plus sortir. Le jour où Soro rentre en Côte d'Ivoire là, il ne va plus sortir. Ce que Dieu lui a dit là, c'est ça qu'il doit faire. Il n'a qu'à voir son babo là avec qui les deux s'appellent, non? Voilà. Donc, il n'a qu'à parler bien avec son babo là. Babo va faire un programme avec Draman. Et puis, ils vont parler tranquillement. Et puis Soro va demander pardon à tous les Ivoiriens. Et puis, son programme de gouverner là, il va effacer ça dans ses pensées. Ok? Et puis, s'il a la chance, moi, je ne sais pas ce que Draman va faire de lui. Voilà le programme que Dieu lui a donné. De rentrer en contact avec Babo, puisqu'il parle avec Babo. Ils vont voir Draman, ils vont s'asseoir et puis ils vont parler. Ok? Mais son programme de gouverner Côte d'Ivoire, il n'a qu'à enlever ça dans sa tête. Donc, s'il ne veut pas faire ça, là, il n'a qu'à nous foutre la paix. Non, parce que moi, personnellement, je n'ai pas le temps avec Soro. Et puis, après la canne, là, tout ce que Soro est en train de manigancer, là, que ce soit du côté de Mali, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire. Je vais tout dévoiler. Ok? Voilà. Je vais tout dévoiler parce que quand je vous laisse tranquille, là, vous ne me laissez pas tranquille. Donc, je vais tout dévoiler. Ok? Je l'ai laissé tranquille, c'est à cause de la canne, là. Mais comme il ne veut pas que je le laisse tranquille, il a fait quelque chose tout récemment, mais je ne vais pas dire ça. Je ne suis plus là. Je vais dire ça. Je dis la prochaine fois que Soro viens faire ces bêtises là-dessus, moi je vais le déposer devant le Seigneur. C'est le temps qui est en train de venir maintenant. Je vais d'abord le dévoiler et puis je vais le déposer devant le Seigneur. Et tout ce qu'il est en train de faire là, je vais mettre ça au grand jour devant tout le monde. Ok? Voilà. Donc, vos histoires de. Il y a un militaire qui est mort, et les Ivoiriens sont en train de tuer les Maliens, je sais pas où est-ce que vous allez chercher vos bêtises que vous rencontrez, parce qu'en Côte d'Ivoire en ce moment, moi quand ma famille m'appelle, ils disent pas qu'il y a des morts là-bas, c'est pas de quoi vous parler, mais ok, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est la manipulation de Soro. Mais je vous ai déjà dit qu'on est fatigué. Nous, on est fatigué avec Soro. Ok? Voilà. Donc si Soro vous dit de rencontrer des bêtises matin, midi, soit ces bêtises là vraiment. Chers Ivoiriens, n'écoutez même pas ces guignols-là, parce que c'est Soro qui leur dit de rencontrer. Des fois même, Soro, c'est Soro même qui enlève les gens, et puis il accuse Draman Ouattara. Vous voyez dans quel jeu Soro il est. À un moment, c'est lui qui amenait les rebelles à aller attaquer le Burkina, et puis il disait que non, c'était Draman. Quand j'ai dévoilé ça, il est resté tranquille. Parce qu'il cherche, un moyen, il cherche un pays qui va venir tomber sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez quelqu'un, vous voyez des mentalités comme ça, et c'est ça qui dit qu'il aime les Ivoiriens. Toi, tu es en train de créer une situation pour que le Mali ou le Burkina ou la Guinée ou le Niger vienne tomber sur la Côte d'Ivoire. Et avec ça, tu dis que tu aimes les Ivoiriens.
Mais quand ils vont venir tomber sur la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas Dramane qui vont faire quelque chose, c'est les Ivoiriens qui vont tuer. Quand tu aimes ton pays, là, tu ne fais pas ça. Parce que tu es en train de provoquer une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Tu es en train de provoquer des trucs. Et puis les deux pays vont s'affronter. Mais quand ils vont s'affronter, là, c'est les peuples là qui vont mourir. Ce n'est pas toi, Soro, qui vas mourir. C'est ce que tes cyber, là, des fois, ne comprennent pas. Ils viennent, ils rencontrent des bêtises qui n'ont pas de sens. Ils rencontrent des bêtises qui n'ont pas de sens. Non, comment on appelle? Les Maliens sont en train d'agresser, les Ivoiriens sont en train d'agresser les Maliens, blablabla, blablabla. Depuis quand Côte d'Ivoire, là, y a, depuis les Maliens qui sont versés en Côte d'Ivoire, là, c'est le Soroïs là qui. Franchement, j'ai même pas envie de dire son nom, parce que cet idiote-là, je sais même pas ce qui se passe dans sa tête, et puis elle rencontre des bêtises comme ça. Oui, les Maliens, les Ivoiriens sont en train de tuer les Maliens. Tu crois que nous, les Ivoiriens, on n'a rien à faire pour tuer les Maliens. On n'a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème avec les étrangers. Depuis au temps de Oufoué, on n'a pas de problème. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec les étrangers. C'est les étrangers là qui n'aiment pas les Ivoiriens. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec eux. Donc, c'est votre haine que vous voulez créer en Côte d'Ivoire. Là. Dans le nom de Jésus, ça ne va jamais s'accomplir. Jamais, ça va jamais, jamais, jamais s'accomplir. Sauf si Dieu n'existe pas. Mais si Dieu, il existe, je sais qu'il existe, je sais qu'il est parmi nous là. Votre haine de Soroïs là que vous êtes en train de créer là. Non, si ce n'est pas militaire qui est mort, c'est Ivoirien qui est en train de tuer Malien. Ça là, ça ne va pas prendre. Ça ne va même pas prendre. Même pas. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes dans le mensonge. Soro a un système, vous venez, vous enlevez les Ivoiriens là, après c'est pour accuser Dramane Ouattara. Et si on peut faire ça, ce que vous faites là, mais c'est bon. C'est bon. Vous accusez les gens n'importe comment. Si c'est pas Ibrahima Ouattara, c'est Dramane. Si c'est pas. Avant c'était Ahmed Bakayoko. Avant c'était Ahmed. Et puis la mort d'Ahmed Bakayoko là, si vous n'arrêtez pas, je vais verser. Hein. Je vais verser. La mort. Non. Faut que vous arrêtez vos bêtises. Vous avez poussé le monsieur jusqu'à l'hôpital là-bas. Vous avez poussé le monsieur jusqu'à l'hôpital pour dire que ceci sera, ceci sera, ceci. Bon, lui-même, il était dans son business. Bon, donc ça, c'est pas mon problème. Mais pourquoi est-ce que vous poursuivez les gens? Vous poursuivez les gens pourquoi? Vous poursuivez les gens pourquoi? Les foutez la paix aux gens. Pour foutre, vraiment foutre la paix aux gens. Ok? Voilà. Moi, je suis fatigué avec vous. Mais quand la CAN là, va finir, là, la mission sur laquelle Soro se trouve, là, et puis le Mali, là, il est en tête de tout. Vous savez quoi? Le premier ministre de Goïta, là, qui s'appelle. Comment il s'appelle celui-là même? J'ai oublié son nom. Mais je vais chercher son nom. Ça, c'est pas un problème. La vidéo, quand je vais la faire, là, je vais mettre son nom. Je vais chercher son nom. Ok, voilà. C'est avec lui que vous traitez, non? Et vous êtes en train de mentir à Assimi Goïta. Vous êtes en train de flatter Assimi Goïta. Entre temps, vous êtes avec son premier ministre. Vous êtes en train de comploter les choses avec son premier ministre qui s'appelle Maïgao, je ne sais quoi. Parce que c'est lui qui est votre type. Assimi Goïta, là, il n'est pas votre type. Ok? Non, mais toi, monsieur Assimi Goïta, il faut te réveiller. Hein. Si tu ne te réveilles pas, là, le temps que tu vas te réveiller, là, Soro là, va te mettre dans un truc où toi-même, tu ne vas jamais t'en revenir. Parce que Soro, là, c'est un dangereux. Hein. Voilà. Le type avec qui il est collé, là, avec qui il fait tout, là, c'est ton premier ministre qui s'appelle Maïga. Là. Voilà. C'est lui-même, normalement, que Soro, c'est lui-même qui devait prendre le pouvoir. Mais comme ils ont vu le mouvement de la France, c'est pour cela qu'ils ont mis des militaires. Ils t'ont mis, toi, Assimi Goïta, parce que vous êtes des militaires. Ok? Donc, quand la situation va se calmer bien là, eux, ils comptent te renverser et puis mettre Maïga. Là. Parce qu'ils croient qu'avec Maïga, ce qu'ils vont demander, ça va se faire. Mais vous n'allez jamais attaquer la Côte d'Ivoire. Si ça va attaquer la Côte d'Ivoire, vous avez menti. Parce que votre Soro là,
Il va rester au Mali là-bas jusqu'à. C'est là-bas qu'il va avoir. Il a déjà les cheveux blancs. C'est là-bas qu'il va vieillir. Ok? Voilà. Parce que. Bon, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ok? Voilà. Ok. Donc, je vais vous laisser. Ok? Il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Je vais vous laisser, ok? Donc, partagez cette vidéo. Mais la prochaine vidéo, je viens sur ce rond. Mais ce que je vous ai dit là, vous là, laissez affaire de médicaments tranquilles. Parce que le Seigneur dit, si vous ne laissez pas le médicament tranquille, là, ça ne sera pas bon pour vous ensuite le prochain match. Ok? Mettez tout dans sa main et vous allez avancer. Si vous ne voulez pas mettre tout dans sa main, ah, lui, il n'est pas dans vos affaires de médicaments là. Il a fait une fois, il a fermé les yeux, il vous a fait, comment on appelle, une grâce pour que vous passez. Là, si vous recommencez là encore, vous allez voir sa colère dans votre jeu, dans votre ballon là, vous allez voir sa colère. Il va plus vous donner cette grâce quoi. Parce que lui, il ne travaille pas avec Satan. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Le Seigneur dit qu'il ne partage pas sa joie avec Satan. Donc, si vous voulez suivre Satan, ben, suivez Satan. C'est ça que le Seigneur dit. Si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède, je te vomis. Donc, si vous êtes tiède là, au prochain match là, le Seigneur va vous vomir. Ok? Si vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas froid, si vous êtes tiède, au prochain match, le Seigneur va vous vomir. Ça veut dire que soit vous êtes avec Dieu ou soit vous êtes avec Satan. Mais si vous êtes avec Dieu, vous êtes avec Satan, le Seigneur là, il va vous vomir. Donc si le Seigneur vous vomit, ce n'est pas bon pour vous là. Votre match là, ça ne va pas être bon là. Donc si vous voulez que ça soit bon là, regardez Dieu et puis vous allez avancer. Ok? Voilà. Donc partagez la vidéo, partagez-la. Entre parenthèses, ce que j'ai mis pour ce rôle là, ne vous occupez pas de ça. Ok? Voilà. Donc partagez la vidéo, partagez-la. C'était une façon seulement pour dire aux soroïstes là de nous foutre la peine. Nous, on n'a pas le temps des conneries de cela. Ok? Voilà. Lui-même, il fait ses plans. Après, il vient accuser le monsieur. C'est lui-même qui enlève les gens qui s'enlèvent, qui sont enlèvent. C'est Soro qui les enlève. Vous ne savez pas ça. Ok, donc je vais vous laisser et puis on a bientôt. Partagez la vidéo, partagez-la. Ok, on a bientôt. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok, voilà. Et on a bientôt. Et vraiment, joueurs de Côte d'Ivoire, les éléphants là, avec votre entraîneur, votre Diallo là, pardonnez, laissez à faire des médicaments là. Et puis on va avancer. Parce que si vous rentrez dans les médicaments, le Seigneur dit qu'il ne sera pas avec vous. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous arrange. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Partagez la vidéo. On a bientôt. Bye bye.